Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Oh, mais t'as dit que ça va pas... Enfin, il va y avoir un problème quelque part. Mais c'est une très grande avancée déjà. Hey, mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Mais non, on était en train de faire des avancées. Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu ? Pile quand on parle du loup. Norman Osborn ? Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît ? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? En même temps, quand Monsieur le maire fait partie de la concurrence, tu es c'est chaud. De poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter. Arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Oh. Après le mail que tu nous as fait, comme quoi on était un binôme extraordinaire. Attends, oui, le gars, il est maire, et il est chef de la concurrence de ce labo. Bien entendu qu'il va utiliser sa double casquette et son double pouvoir. ...250 XP, c'est un petit gars. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Buck. Appeler Harry, peut-être ? Lui dire de parler à son père ? Non, il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, il y a une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Oh bah c'est pas loin. Dans le quartier d'Hudson Yard. Répondez. Excusez-moi, on a besoin d'un super-héros. Surtout que les véhicules, c'est ma spécialité. Ça fait tuer quelqu'un s'il continue. Vous n'avez pas de permis. Rendez-vous. Jeune homme, arrêtez immédiatement ce véhicule. À plus. Ok. Ouais, maintenant je fais le carré tout de suite, hein. J'attends pas qu'il apparaisse à l'écran. Non mais même là! Genre je l'ai fait tout de suite, j'appuie quand même à fond. Des renforts. Ça doit être pour ça qu'on parle de crime organisé. Et la première voiture, y'a pas eu de soucis. Et depuis là, c'est la fin du monde. On aurait pas dû, qui dit. Il a raison. On aurait pas dû.
bonne chose de faite. Il y a bien assez de chauffeurs fous dans cette ville comme ça. Bah, arrêtez de crier, c'est bon, tout va bien. Enfin, la situation est sous contrôle. Citoyen. Beaucoup trop excité. Ah bah non, il y a un autre... Je suis pas fou. J'ai vu un panneau de crime. Non ? Bon. Bah je suis fou, qu'est-ce que je vous dise ? Autant pour moi. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir sur l'Europe. Salut Peter. J'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur. Des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil ? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. Oh, c'est là-dedans qu'on va voir les jetons de recherche d'objets. Mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Ouvrez de nouvelles stations de recherche en ville pour gagner d'autres jetons de recherche. Et ben voilà. Bien entendu. J'imagine qu'il faut faire les mini-jeux dedans. Alors encore une station qui surveille la qualité de l'air et détecte les substances toxiques aux alentours. Super important pour la ville et ses citoyens. Mais certains gros bonnets ne sont pas hyper enthousiastes à l'idée que leurs pratiques polluantes soient dévoilées au grand public. On gagne de l'XP et des jetons. Commencez, maintenir. Pas de soucis, on va commencer, maintenir. On contrôle la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Ah ouais, ça fait des quêtes annexes en plus. Voilà, il y a un petit nuage. Je peux pas... Non, je peux pas avoir accès au petit nuage. Ah, c'est en hauteur. Ah oui, il y a un truc vert en hauteur là. Collecter les substances. Et comment est-ce que je les collecte? Je comprends pas. Pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Ah, faut traverser ces nuages. Très bien. Pour qu'on voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Hop. Par ici. Très bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. Cette pauvre ville. C'est bon. Oh mais il y en a combien? Il y en a 1 million. Oh, on dirait que j'ai sniffé un pot d'échappement. Oh, il y a des millions. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. J'ai loupé lui. Ah, j'ai encore loupé. Y'a pas de gros bâtiments aux alentours, c'est le problème. Bon. Voilà. Les toxines proviennent de deux types de voitures. Et ah, j'en ai eu assez. Défectueuses. Prenons tout ça en photo. Pas la lumière sur celle-là. Ah, je l'ai pas.
Là, je l'ai. Parfait. Ah, ça aussi, faut que je le prenne en photo. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Ça nous a donné deux jetons de recherche. Une vraie crise sanitaire. Un score pourra pas dire que les stations d'arrêt ne servent à rien. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a eu de mauvaises ondes? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur! Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Je prends les petites photos au passage, hein. Peter, j'ai mené l'enquête sur les démons. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé avec carton Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute s'ils sont là. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parrains? Bah c'est ça. T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, enfin, Norman, couper nos subventions. Oh, Pete. Sympathique. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. On trouverait d'autres financements. Notre travail a trop d'importance. Merci MJ. La prochaine. Allez, Shocker, donc qui a visiblement des alliés haut placés. Hein. Et qui va peut-être aussi nous offrir un affrontement un peu plus notable que la dernière fois. Herman, ça faisait un bout de temps. Hey, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups, on dirait qu'on m'en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. À mon avis, la personne qui a amélioré son équipement... Que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Est du même acabit que la personne qui, lui a permis de partir. J'étais jeune, j'étais stupide. Et toi? Eh bah, ça m'a wow. Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y'a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal? Ah, je peux pas passer. Par rapport au silence. Et en plus, comment on mesurerait? En la vache. En syllabes. Comment faire? Attends, ou ce serait pas plutôt en nombre de mots? Ah, faut peut-être que je lui envoie un truc. C'est complètement je fais défoncer là. Moi, je trouve que certaines personnes parlent pas assez. Par exemple, au sujet de la personne qui les commande, de celui pour qui ils travaillent, toi, ce genre de choses. J'ai pas envie. J'aimerais bien, mais... je me suis fait mes défonces. Bon, il doit y avoir une petite strat, là, à faire. Tu te rappelles notre premier combat? T'es jeune, t'es stupide. Ah ben, vraiment. Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y'a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Ouh. Là, je peux lui faire vraiment mal. Excellent. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer. Ah. Il avoue qu'il est totalement en train de se faire commander. J'aimerais un truc à lui envoyer, s'il vous plaît, merci. Attention à toi! Si tu te rends, je peux t'aider! Alors laisse-moi partir avec l'argent! Ça va pas être possible!
Un truc à jeter, s'il vous plaît. Oui. Excellent. Bon, ça met fin à cette phase-là. Les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non. Sérieux, Herman? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier. Oh la vache. Si je parle, je suis mort. Ils ont été très chers là-dessus. T'as plus rien à balancer, là? Ah, si. Attrape. M'inquiète un peu, Herman. Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire. C'est même pas une question de personnes. Ah, faut vraiment que j'attende, j'ai pas le choix. Bien dit, masque. C'est type masqué. Ça fait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Un peu. Oula. Derrière, ils m'empilent. Ça fait peur de se dire que ce super vilain a la trouille de quelqu'un. Eh bien ça. Et un malin avec sa toile au pied. Explique-nous, Herman. Ouvre le dialogue. Oula. Ouf. Allez, j'attends le bon moment. Ah. Oh, je me fais mais défonce par son rayon. J'ai pas le bon timing, ça va très très vite. J'espère qu'on prend cette phase là. Complètement. Faut comprendre comment faire les phases à chaque fois, mais... Ils sont sympas après sur le fait de redémarrer une phase donnée. Hop là. Mais là, je rigole plus. Dernière chance. Désolé, Herman. La sentence est tombée. Littéralement. Il a explosé, le gars. Bon, visiblement, il est connecté aux gens avec les masques de démons, là. Enfin, menacé par les gens. Et engagé, plus ou moins. Choc frontal, trophée obtenu. Il était terrifié et désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. 2500. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé niveau 10, niveau 11. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hey, le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref. Vous avez eu d'autres signalements de démons de type masqué? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je Alors. Doute que ça vous plaise. J'aurais dû m'en douter. C'était pas facile. Alors, on a une nouvelle tenue qui est arrivée. Costume négatif. Oula, en effet. Qui permet d'avoir onde négative. Synchronise les nanoparticules du maillage pour libérer une
puissante onde d'énergie négative. Ah, je peux aussi prendre la tenue Secret War, avec la course à l'armement, libère une charge d'énergie électromagnétique, étourdissant les ennemis et désactivant leurs armes. Trop bien sapé, trophée obtenu. Hop. Alors, du coup, ça, course à l'armement, ça fait un truc comme ça. Et onde négative. J'ai envie de prendre l'onde négative. On combat contre. C'est moi Spider-Man, mais c'est pas grave. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. Explorez la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Écoutez, si on nous propose, faisons.